Cloche, aimez, partagez et abonnez-vous. Chaîne de support @tuniel.podcast@mcdonald, les gars. BUNCH est la nourriture de rue vietnamienne. Bonjour, bonjour à tous ceux qui veulent écouter le podcast de MC Donildes sur le plaisir de manger avant les vacances de Pâques. Aujourd'hui, c'est les rayons du soleil avant les vacances de Pâques. Je pense aux brochettes ou aux grillades. Donc, j'aspire à Bun Cha, est la nourriture street vietnamienne au Vietnam. Vers midi, les rues de Hanoï sentent le porc grillé et la délicieuse sauce aigre douce. Alors c'est Bun Cha. Pourquoi ne pas cuisiner le barbecue le plus cool de l'été à Pâques? Bun Cha est un plat typique de Hanoï. C'est aussi le plat vietnamien mondialement connu et le plus célèbre, après l'excellente soupe du petit-déjeuner, PHO, devenu un pur plat tendance ici en Europe. Les Vietnamiens sont bons au barbecue et ce plat se compose de porc grillé de deux façons, de nouilles et d'une trempette aigre vinaigrée. Barbecue, Bun Cha pour le déjeuner. Si vous êtes à Hanoï, vous pouvez le sentir quand c'est Bun Cha. C'est de la street food classique et le porc est grillé sur de petits feux. Vous le mangez pour le déjeuner et seulement pour le déjeuner. Après 15 heures, le service est terminé et la délicieuse odeur de barbecue disparaît des rues. Grillez les côtes toute l'année. Le plat est préparé avec du porc de deux manières et des côtes fines sont généralement utilisées. Vous pouvez également utiliser des côtes levées de barbecue surgelées que vous pouvez trouver au congélateur. La moitié de la côte est coupée en fines tranches et grillée, tandis que le reste est broyé et façonné en petites boulettes de viande. Ceux-ci sont également grillés sur une grille de grill, où les petits pains sont pris en sandwich. Lorsque la viande est prête, elle doit être mise dans une sauce aigre douce, à base de sauce de poisson, de vinaigre, de piment, de citron vert et de sucre. Sans cette merveilleuse combinaison, le plat ne serait pas le même. La sauce aigre douce est parfaite contre la viande de côte grasse. Mais n'oubliez pas les herbes. Ils sont absolument incontournables dans la cuisine vietnamienne. Ce sont généralement la coriandre et les germes de soja qui s'appliquent. La menthe peut être utilisée si vous le souhaitez. Barbecue dans le parc. Comme il s'agit d'une véritable cuisine de rue, nous vous recommandons de la manger avec les doigts. Si vous allez apporter cette nourriture au parc, vous pouvez mettre des nouilles, de la viande et des herbes dans des feuilles de laitue, de préférence de la laitue romano. Terminez la sauce et conservez les herbes et les feuilles de salade dans leur propre boîte. Vous pouvez faire cuire les nouilles à l'avance. Faites griller la viande sur un petit grill portatif. En fait, les petites grilles sont parfaites pour Bun Cha. La viande se rapproche des braises et donne exactement le délicieux goût de grill que les tranches de viande et les boulettes de viande devraient avoir. Nous entendons un grand hourra pour Bun Cha, le barbecue le plus cool de l'été à Pâques. Essayez quelque chose de nouveau sur le grill et préparez des plats de barbecue vietnamien à la mode Bun Cha. Il vous en faut pour 4 personnes. 1 kg de côte de barbecue sans os, et jure, ou plus que ça. Marinade. 1 demi-DL de sauce de poisson. 5 oignons nouveaux, émincés finement. 3 gousses d'ail finement hachées. 1 cuillère à soupe de sauce soja. 1 cuillère à café de poivre noir moulu. Sauce aigre douce. 2 cuillères à soupe de sauce de poisson. 5 cuillères à soupe de vinaigre de riz. 3 cuillères à café de sucre. 1 DL d'eau. 1 piment rouge, tranché. 2 gousses d'ail finement hachées. 1 cuillère à soupe de jus de citron vert. 1 paquet de vermicelle de riz. 1 paquet de germes de soja, ou pois mange tout. 1 pot de coriandre. 1 demi-pot de menthe. C'est ce que tu fais. Étape 1. Coupez les côtes de porc en deux. Broyez-en une pâte fine. Vous pouvez le faire à la main dans un robot culinaire ou dans un hachoir à viande. Si vous utilisez des côtes levées pour barbecue, retirez le bord rugueux et hachez la moitié de la viande. Étape 2. Formez de petites boules de la taille d'une balle de ping-pong. Appuyez sur les boulettes de viande pour qu'elles ressemblent à une rondelle de hockey. Step 3.
Préparez la marinade et mettez les boulettes de viande et le reste des tranches de viande dans la marinade au réfrigérateur pendant 2 heures. Étape 4. Préparez la sauce. Assurez-vous que le sucre se dissout dans le vinaigre. Étape 5. Cuire les nouilles. Étape 6. Lavez la laitue et les herbes. Step 7. Sortez la viande de la marinade. Grillez les tranches de porc. Les boulettes de viande sont grillées dans un grill double, vous pouvez en acheter un comme celui-ci dans la plupart des épiceries d'une certaine taille. Step 8. Trempez ensuite la viande dans la sauce avant de la disposer dans une assiette avec des nouilles, des pois gourmands et des herbes. Pour des informations plus détaillées sur la façon de faire des gâteaux asiatiques ou des gâteaux européens, veuillez laisser vos informations et cliquer sur le bouton « s'abonner » ci-dessous pour recevoir une assistance de consultation gratuite. Merci d'avoir écouté et suivi ce podcast MC Donildes. J'espère que vous entendrez parler des prochaines vidéos. Avec mes meilleures salutations. Podcast MC Donildes. 29 mars 2023.